Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Une fois nous dans la rue, notre objectif pour que nous demandions, nous venons dénoncer et condamner le phénomène de sécurité généralisée en Haïti. Nous venons condamner le phénomène de criminalité généralisée en Haïti. Nous venons condamner différents massacres qui font dans le pays. Nous venons condamner différents monde qui la mort. Nous venons condamner ce phénomène de la mort. Reconnaissance, mais t'as dit machine l'ambo ça dans le pays là. Donc nous venons demander justice, escadron l'ambo ça, nous venons condamner. Nous venons demander justice pour tout le monde qui mourut. Nous venons demander justice en particulier pour le professeur Dorval, un bâtonnier, un intellectuel de Bello, un spécialiste de droit public, un grand spécialiste de droit constitutionnel en particulier. Donc il lâchement assassiné dans l'environnement immédiat du président de la République, soit appelé le R5. Nous-mêmes, en tant qu'université de l'État, nous assumons responsabilité nous sur la scène de l'histoire pour nous dénoncer et condamner davantage donc tout massacre qu'a fait en tant que pays. Toute situation de violation de droits humains, nous condamnons et nous dans la rue, c'est ça qu'on a demandé. Et nous déterminons, on ne peut plus. Fois ça, crime ça va être impuni. Encore une fois, crime ça va être impuni en tant que pays. Nous connaissons par rapport avec marche qui est organisé pour et feu. Et Dorval, c'est un doctorant, un professeur à l'université, un monde qui t'a fait un paquet de bâtons dans la société qui est positif. En tant que bâtonnier et avocat de l'ordre des avocats en Haïti, nous pensons que son absurdité pour un groupe de monde qui soit disant des bandits notoires, des bandits politiques, arriver à retirer la vie avec un monde qui est aussi prestigieux dans le pays. Et nous avons continué à solidariser nous avec tout événement, tout bagaille qui a passé dans le pays, qui a compromettre la démocratie et dans le pays d'Haïti. Mais d'ici pas profiter des moments spéciaux de ça, vous voyez une grosse sympathie. Bye, ensemble, famille, ça y est. Le cyclone Laura saute, déclenche le robinet de l'eau dans les yeux. Tant que plusieurs familles ont toutes cailles dans la tête de l'eau. Docteur a toute petite vie dans le tabac. Et puis l'autre famille dans la profession est la triée. Face à tout ça, anticipe à rappeler toute communauté haïtienne non? Que ces eaux cycloniques qui ont été au rendez-vous, ils ne vont jamais oublier. Et puis, dans le 1er juin, il va jusqu'à 30 novembre, en façon pour nous toujours appliquer ensemble conseil ça, en face de toi, tu cailles si nous habitons dans le monde. Fais canal pour bailler de route, nous habitons dans la plaine. Évitez d'habiter dans la ravine. Pour ne pas descendre pour ne pas ennemi. Organiser quartier, dans identifier abri provisoire avant cyclone arrivé. Identifier en même temps tout ça qui servit comme capacité. Mettre dans sachet plastique tout document et pièce qui est important. Et puis planifier, organiser avec responsable chaque membre de la famille pour faire face à venir cyclone. Parce que Kabane du Elanje, avant dormir dans Jeune. Avoué sympathie, by famille, bâtonnière, l'autre avocat Port-au-Prince, maître Montferrier Dorval, by famille, monde qui victime en bas assassinat. Mokore pas qu'à croiser boal face à toute dérive sa yo cap passé dans le pays. Côté en d'un quartier populaire, massacre tribord et papa, youn ak boumé, ak l'autre. Côté même petit bébé, grand monde, pas épanier, en bas coup de zam, assassin criminel. Mon koré a demandé côté instance concernée. C'est peut-être ça, mon koré, de rete bois croisé, il a fait une analyse en dans pays. Côté que l'Iwe, pays a penché. Côté l'Ivinoué, population, peuple haïtien, c'est un coup savant. Côté Timoun, pas épanier, Timoun qui vient 3 mois. Après ces voix balles dans le quartier populaire. C'est peut-être ça, nous demander la justice avec la police pour prendre responsabilité dans tout quartier populaire, dans le pays, pour permettre sécurité sur tout le monde qui vit dans le pays. Dans sa famille, mettre mon ferrier d'Orval et bâtonni
des avocats et de Port-au-Prince, ce sont des extraordinaires regardés par lui comme jeune. Je t'ai fait deux mémoires en même temps et son bas extraordinaire. Et regardé Jean-Monsieur a composé en ambassade de France pour jouer nos bourses. Monsieur était sorti lauréat et nous qui était composé. Donc j'allais étudier, il fait doctorat. Donc, l'organe de Monsieur retourné dans le pays, à partir de ça, l'écrit et conférence que bail. Ouais, monsieur, son lumière, c'était des matières de connaissance, son lumière, et des types de lumière ça, et il est là. Son lumière que j'étais professeur dans l'université. Monsieur Bail, on lit tout partout dans la société. Et pour besoin de consultation sérieuse, il faut avoir mettre mon ferrier d'Orval. Donc, on a salué mémoire, on a célébré la vie, on a célébré le monde que l'IA, et ça a été représenté. Il a représenté une image où lui a été capable. C'est l'image, ça a été représenté. Il a représenté une image du savoir, avec un café, la connaissance. Je t'ai représenté ça. Je t'ai représenté la compétence. Je t'ai représenté ça. Bon, en société, non. Donc, on garde son sacré une prédiction vertile. Et son bagage qui est. Mais, pour nous démarrer, dans sa vie, mémoire, monsieur, j'aime garder les journées un jour, il y a moins que 100 piles. Moins que 100 piles. Je ne sais pas comment je parle tout le monde là, soit maintenant matin. Je fais une interview. Et nos radios capitales là. D'arriver à une série de radios qui fait mon pile de la peine, c'est comme une série de radios qui dit, afin d'être monsieur à 10 ans, pas 10. Vous avez un auditeur qui met en interview, de faire un vendredi matin, qui fait sur radio. L'autre radio, un vendredi matin, vous avez un compte Twitter, mon arrobas, un délicat, ou bien on fait sur Facebook, non, vous tentez. Et c'est aujourd'hui, après les bagages qui vont me saisir, qui fait une saisie dans le pays d'Haïti, sans me saisir dans l'interview ça, aujourd'hui, on entend des quelques radios qui déforment les lettres, sans me saisir dans l'interview. Donc, je vais répéter quelques points que je vais développer dans l'interview qui est important pour moi, pour nous, pour l'imposer de déformer. Première bagage qui dit, j'ai dit changement de constitution, pas après président, et c'est après tout le monde qui est lié. Et pour le président, son moment d'histoire, il a, comme on a changé la constitution, donc nous avons fait la président qui l'a. Deuxième point que monsieur dit, j'ai dit que dans la conférence de débat depuis 2017, dans Baroua, il est dit depuis 2017, Haïti a besoin de nouvelle constitution. Et d'ailleurs, le thème de la conférence de débat là, c'est quelle constitution pour Haïti. Il dit pas de réforme, pas de amendement. Je dis encore, comme quatrième point, il faut que nous changions la constitution en dehors de Parlement. Et au correctement sur des diables. Mais pas qu'à faire changement de constitution avec Parlement. Quatrième point, je dis, il faut que nous changions la constitution avant l'élection. Cinquième point, je dis son moment idéal pour nous changer la constitution. Je dis que voix pour changer la constitution, il y a deux voix. Je dis qu'il y a la voix parlementaire, il va croire que tout à fait la voix parlementaire là. Je dis que c'est la voix extra-constitutionnelle pour nous faire. Monsieur dit, et monsieur pour une position qui est intéressante, monsieur dit que lui-même il y a un rôle en tant que bâtonnier dans la constitution, ça a qui veut changer. J'ai dit qu'il y a des bagages qui tournent dans le pays d'Haïti depuis 3 ans, choix premier ministre avec élection. J'ai dit quelle que soit l'option qui choisit, il faut que la constitution change. J'ai dit, mon café la président Jovenel, même si on tous ces conférences, son café la transition, il n'a rien préférence. Si vous faites la président Jovenel, l'appel, si son transition privée, l'appel la transition. Monsieur disait, non, mais tant qu'il y a le bagage, j'ai l'impression que c'est ça qui est nerveux, c'est des nègres. Je dis pas dans aucun camp politique. Je dis avec constitution que nous avons pour l'IA, il fait l'État, pays d'Haïti, une dysfonctionnelle. Et je répète encore, pour changer l'État, nous devons changer constitution. Nous devons changer régime politique pays. Nous n'avons pas besoin de premier ministre. Est-ce que nous avons besoin de deux chambres? Il ne dit pas qu'on est. Les discussions va dire, est-ce que nous avons besoin de deux chambres? Est-ce que nous avons besoin de juridiction électorale? Va
pas gagner des sortes d'élection encore. Monsieur dit nous besoin de réorganiser l'État. Qu'est-ce que le président qui fait, qu'est-ce que transition qui fait, faut constitution a changé. Il n'y a pas de préférence. Monsieur dit comme ça que lui-même, il satisfait personnellement la vie, tout ça c'est pour lui pour y aller dans le service pays parce que lui-même il est déjà sauvé. Monsieur dit, il n'est pas d'accord avec l'étranger qui a dit qui ça pour faire. Je dis pays n'a pas dirigé, n'a pas administré. Je dis qu'il n'y a aucun camp politique. Je dis pas politique, il n'y a pas d'idéologie. Je dis que la constitution est inapplicable dans nos pays. Je parle de théorie d'abrogation de la constitution qui vont faire le faire là. Je dis par exemple, nous avons carté en tant que pays constitution 83, ça a juste considéré nous de la constitution 83. Je parle des amendements de 2011 qui passent bon. Je parle des plutôt opposés à conseil constitutionnel là. Je dis comme ça que quel pouvoir arrive avec quel pouvoir qui a réformé la constitution. Mais je dis tout, à votre opposition pas bon. Je dis dans l'interview à votre conférence nationale, ça va mettre l'Assemblée constitutionnelle. Je dis débrouiller l'Assemblée constitutionnelle, ça va plus d'aller garder bagaille là. C'est ça qui est fait en 87. Je dis contre l'Assemblée constitutionnelle, opposition, opposition en bas. Je dis nous, pour nous changer la constitution, nous avons besoin d'une équipe pluridisciplinaire, juriste, dans différents secteurs, de différentes spécialités, sociologues, historiens, grammairiens, anthropologues, ethnologues, géographes, démographes. On qui a une capacité dans différents domaines. Donc, je parle de méthodes diaconiques qui j'emploie pour ces bagailles. Je parle de droits comparés. Je parle de cas du Sud. Je parle de constitution de 85 ans, tension pour y créer un premier ministre qui est le président à terre, un premier ministre parlement, un président et parlement. Donc, c'est une belle réalité. Moi-même, par exemple, il faut que je me conseille de ne pas parler dans la radio. Ce que vous avez dit, pas tant d'interviews que je fais vendredi matin, comme oui, et bien, je fais des bails honnêtes. Si mon opinion différente sous l'entente, je veux la démocratie, c'est la culture de la majorité. Je donne le conseil constitutionnel français à redéfinir la loi. Et pour la loi, c'est l'expression de la majorité qui dirige. Et bien, je veux consacrer la conception de la loi. Et selon Rousseau, changer, j'ai dit conception de la loi. Je vous dis, en fonction de nouvelles données, c'est sa majorité à voter avec sa gloire. Donc, monsieur, pour monsieur, dans le contexte, oui, président qui a fait réforme constitutionnelle là, depuis qu'on a des mounes indépendants, et bien lui-même qui a le faire, il mettait des mounes indépendants pour le faire. Monsieur dit oui, transition à faire le promenant, mais en même temps tout, monsieur dit que il a l'icône à faire assemblée constitutionnelle, car le bon monde s'en compte. Dans ce sens, je pense que monsieur est une situation pays à faire, et monsieur a une vision que l'on recevoir un mandat des peuples à diriger ou majoritaire, ou une autorité constitutionnelle pour conseiller de la guerre. Et là, on va regarder. Est-ce qu'il y a des rapports qui passent dans le pays? J'en ai tué, monsieur. J'ai été tué Mireille Diouche, qui était comme ça. J'ai été tué Jean-Dominique comme ça. J'ai été tué Général Max Maillard comme ça. J'ai été tué Auriel Jean. J'ai été tué Antoine Leroy, Renel Joseph, Sambar Boukman. Tout ça, c'est la même technique d'assassinat. Donc, tous les bagages qu'on va regarder, c'est que, est-ce que tu as une historicité dans ce type de crime? Deuxième aspect historique pour regarder, est-ce que il y a des gens qui ont fait la politique dans le pays d'Haïti, nous avons une date importante. Donc on va regarder la date là, son 28 août. Est-ce que c'est un acte politique ou bien un monde important dans le pays d'Haïti, son 28 août? Oui, 28 août 94, je trouve Jean-Marie. Donc on va regarder la date là, il y a quelqu'un. Ou bien, l'autre bagage qu'on va regarder, et doit faire analyse là, et au point de tête tout, mon territoire, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Orban, ce n'est pas n'importe qui. Son personnage dans la société. Donc, en fonction de personnage, ça, il y a deux bagages à regarder. C'est photo que ça a envoyé dans la société. L'autre photo qui circule sur Internet, là, l'autre analyse purement psychologique. Une analyse purement psychologique, dans le premier bagage pour découvrir ce photo qui a marché sur le réseau de lui-même qui a été enfant, pour dire qu'il y a un crime de la haine.
les premiers bails vont pas découvrir dans l'analyse. C'est un crime de la haine. Parce que si son vol les captifs, ils juste tirent et puis là, mais si son chaque crime dans son fait là, et j'en présente là, ouais, son crime de la haine. Donc, question pour Balcozo, quel est l'objectif de ce crime? Est-ce que c'est pour faire peur? Est-ce que c'est pour créer une situation de terreur généralisée? Et est-ce que c'est pour créer une forme de paranoïa? Et est-ce que c'est pour développer la haine de l'État? Vous posez cette question ça. Donc ça veut dire que l'organe des gens qui n'ont fait là, où est son crime de la haine? Donc, pour on va développer théorie. A éduqué la police ou bien la justice commence à faire enquête. Et non seulement il y a collecté données qui sont dans l'enquête là, il va regarder différents scénarios. Pour nous bâtir ça relais, la police de proximité, la police communautaire. Ça c'est le premier élément. Par exemple, ici aux États-Unis, les policiers, nous sommes. Ils ont tout le monde qui était dans son nom, là, ils sont avec eux. Et si mon bagage, le premier monde n'a pas dit, les policiers ont fait mon bagage, c'est mon saïo qui n'a zone qui veut mettre par les policiers saïo. Deuxième bagage élément qui c'est ça pour police de proximité, police communautaire. Deuxième élément qui est important, c'est de développer capacité intelligence. Nous. On désordre dans l'État au niveau intelligence. Tout le monde a intelligence dans l'air. Même parce que on nécessite de centraliser l'intelligence et de l'organiser. C'est-à-dire que le pays a besoin d'un directeur national, un directeur général national de l'intelligence. La fait intelligence. En dedans pays, la fait intelligence de pays. Et dans le que ces domaines sont menaces de sécurité nationale qui lié pour nous par rapport à sa montée hégémonique, font bien intelligence dans le domaine pour nous connaître qui plan l'armée dominicaine pour nous, qui plan et l'autorité dominicaine gagne pour nous et qui stratégie économique pour lutter hégémonique ça qui a fait pour t'aider nous au volet faut que les directeurs nationaux intelligents arrivent devant le président et dit bon mais ça Dominique a préparé un détail nous pénétrer toute institution dominicaine pour nous gagner au nom mais nous mais devant les en Haïti par rapport à des rues nous gagnons un pays à tous les niveaux que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public déjà des rues. Et c'est pas facile en Haïti pour faire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? C'est pas facile. Bah, dit, bah, non, mais c'est pas facile. Mais l'homme qui joue un maître d'Orval, quand on monte pour maître d'Orval, qui sont docteurs anciens juridiques, en même temps, qui sont des personnalités respectées et respectables, on monte crédible qui intègre. Et puis, il y a une dimension rayonnement maître d'Orval qui connaît à savoir, qui sont professeurs d'université qui battent, on ne sait pas que c'est pas idéal. Parce que pour approcher en Haïti, dans le système normal, mon petit doyen, bâtonnier, ministre, sénateur, président, ils sont presque connus d'avance. C'est, il suffit qu'ils aient posé candidature. L'autre tata de l'autre dans la compétition, je parle à son seul président, son homme de sénateur, l'unité à France, son seul bâtonnier, son seul vrai. Mais mon saïo, le coup de fait partie de nos minorités, nos élites connues d'avance. Et malheureusement, la saïo ne va pas passer comme ça. Il va toujours passer comme ça. Donc, l'orgue des mondes, quand vous laissez Maninga, par exemple, qui est un président pays ou bien professeur à l'université doyen, l'orgue des mondes, quand vous mettez Dorval, qui est docteur Dorval, qui vient et c'est son honneur lié pour n'importe quel pays dans le monde. C'est la représentation à cette exigence. Donc, là, à tous les niveaux. Éthique, morale, professionnelle, compétence, qualité, probité. Donc il y a des exigences de la représentation. Donc les maîtres d'oral qui représentent nous comme AO, comme bâtonnier, au point de vue national et international, c'est fait le constatons. Et là, le mot de gré, le sentiment d'amertume est aussi grand que la fierté que nous avons dit des maîtres d'oral. Nous avons culture d'impunité qui nous développe dans le pays, surtout au niveau de la justice, qui fait que nous avons un système de justice qui va faire mon père. Dans le monde entier, notamment dans les pays comme les États-Unis, ce qu'on peut dire les États-Unis, le Canada, il y a des systèmes de justice qui fait peur. Et c'est pour les gens qui sont les grands manifestants dans le pays, ça y est. Il y a des pays industrialisés, il y a des crimes sophistiqués, des crimes sophistiqués qui sont faits. Mais mon cher ami, il y a un système de justice qui fait peur. Les justices, les États-Unis, le Canada, ils ne peuvent pas faire crime ça y est. Donc, avant le temps, ils ne peuvent pas. Mais ils ont quand même, ils ont une punition pour ça. Et tellement qu'on a l'eau, mais parfois, ils ont une punition innocente là, parce que parce qu'il y a des jugements quand même. Il faut qu'il y ait des sociétés à un sentiment comme si il y a une injustice. Nous, on a fait tout ça, on a une impunité. Nous-mêmes, nous sommes confortables. Moi-même, depuis petit, je me suis traumatisé. Je voulais être dans le filou.
c'était la mort, soit retour, bien sûr, c'était assassinat de mettre il volait. Mais il volait un avocat, on a dit qu'il va défendre un syndicaliste, il va dire un militaire été arrêté dans la police. Et puis M. Torjli, Soubrali, Constitution 87 là dans Meni, il va être en 88 quand ça va l'assassiner là. Et puis, les devant la police photo en face par palais national, en face de gang, et puis la pas interview à journaliste avant l'entrée en dedans, pour demander et monsieur la police pour nous jubiler les nègres à l'IA, et puis pour retirer. 11 du matin, après tout le monde va à l'école, tout machin dans la rue, tout le monde va à la piscine. Je tue mettre là, devant tout le monde, en plein minute, après 11 du matin, tout le monde s'ouvre là, et constitution en la même, sans dame, sans rien. Il va te mettre, il va te mettre, il monde qui d'avoir fait vrai. Et puis ça, lumière par exemple, c'est une question. On passe nos paquets de l'autre crime, on prend du gauche, mire, du gauche, bien, même bagaille. On a des gens dominiques, symboles, dans la presse, mon lit. Bah, il faut être condamné, mais fait jugement fait, il y a des coupables, non coupables, on a qu'on va aller à la télé, l'histoire qu'on est, le récit de mon gars avec une mémoire, il y a qu'on va aller à la télé, une mémoire, puis, oh, nous allons dépositer une mémoire crime, il y a des avec les grands procès, les grands crimes, ou soit des filles, ou c'est écrivain, c'est professeur, qu'on va avoir enseigné 20 ans, 25 ans après, non, nous-mêmes, nous sommes logiques. Et comme c'est possible. Bruno Lindo, même bagaille. Jean-Dominique, même bagaille. Père Jean-Marie Vincent, même bagaille. Et Père Jean-Pierre Louis, même bagaille. Jean-Dominique, même bagaille. Ou tombé dans le pays malari, ministre, justice, dans plein de lui, aussi il dit, il y a même bagaille. Nous les deux frères, ils disent, mais non, mais dans l'église, c'est Jean-Fosco et même bagon. Donc nous avons culture des crimes, une culture de pénitence, c'est des crimes. C'est pas que nous avons des côtés États-Unis, pas quoi de l'Irlande. Et blanc, mais ils mettaient des prisons pour les criminels invétérés, intraitables. Mais ces crimes-là sont tout ça, de la sociologie du pays. Mais nous-mêmes, nous avons culture des crimes et des impunités à la fois. Et puis nous, ça, dérangeant, nous ne pouvons pas gagner un dérivatif. Nous payons à crime, là. Donc c'est ça qu'il faut faire, à facilité pour ça. Et nous avons exécuté des ressources qu'il y a. Et même nous, tu veux mettre deval, plus besoin de mettre deval. Ou même si tu veux mettre deval, bien fait, tu veux plus besoin de mettre deval, tu mettre deval, tu veux mettre tête de l'humain. Parce que c'est au service de mettre deval. Et la très difficile pour nous mettre devant et aider nous en pile ça nous pas connaître. Pile monde mettre devant le former, le famille, le frère, le soeur, nous pas connaître. Conseil mettre devant la bataille pour faire pays à sortir dans la salle de pour aider construire pays à l'été tous les vidéos au service de l'intérêt général. Mais pas connaître pour diable. Mais sauf que le va tuer mettre devant, il va tuer penser mettre devant. Moi-même, ma crise, je mettais en cause, parce que nous avons dit le système, la justice à lui-même, ça plus que faiblesse. C'est l'inexistence. Comment faire tout en temps à aider les sociétés plus corrompues, chaque à tort ou à raison, mais tout le monde voulait pour que ça prenne les sociétés. Dans le président, premier ministre, député, sénat, la prison à travers le monde. Mais combien grand monde connaît fait pour corruption qui a avéré des bagailles qui défrayent la couronne pour tendre, ou tendre un jugement fait. Le jugement fait, il n'y a pas besoin de condamner les gens, non, forcément, non. Mais jugement fait, ça veut dire que à tort ou à l'instruction se fait, mettre envers, disons, envers et contre tous, mais à charge et à décharge aussi. C'est pour être à charge et à décharge. Les gens doivent déclarer les juges ou les coupables ou non coupables. Pas de problème. Que vous soyez riche ou puissant, les jugements des cours vous rendent blanc ou noir. Et bien c'est ça. Donc ça veut dire que les hauts systèmes de justice qui ont été pour nous attendez, ils ont distribué le baron juge, ou en bas des suites là. Classé. Tout le crime qui fait autant de avec un criminel, un présumé criminel, ou pas dans les faire passer dans le jugement. Longtemps de bonnes des jugements qui est identifié, moi-même, moi, j'ai participé dans des jugements comme le jugement qu'a fait. Ou t'es des massacres qui fait, jugement qui fait, tout le monde est connu, t'es sur la télévision, la radio, tout ça, ça, des bon. Parce que les jugements qu'on pédagogie, les jugements faits dans le pédagogie, ils vont tout faire, ils vont le faire répressif. C'est-à-dire punitif, les punis autant que les délinquants, mais bon, l'autre effet est dissuasif. Et ça, dissuasif, son prévention, il y a un peu de ça, tout éventuel criminel, qui t'a coupé en bois, je crois qu'à mettre le capitaine, ou pire. Et c'est ça qui fait redouter la justice de l'élimination. Autant qu'ils n'ont la justice, c'est impuni tout le temps, pas dans rien qu'à cracher. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour tes capitaines des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'est branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.